Soyez les bienvenus au palais de Verbier, dans ce coin de paradis des Alpes suisses. Vous songez à trouver un peu de repos. Vous ignorez même qu'une chambre est mal numérotée. Une erreur innocente ou un secret bien gardé. Et si vous étiez un écrivain à la recherche de l'inspiration et que votre belle voisine anglaise soit aussi curieuse que vous, que feriez-vous? Ici commence votre aventure. L'énigme de la chambre 622 est un roman qui vous amène dans un monde plein de mystères. La mort d'un proche, une déception amoureuse, une chambre mystérieuse, deux étrangers. Voici les ingrédients pour un roman policier parfait. Joël Dicker nous invite à jouer au détective accompagné de ses héros. Le mystère s'accentue tout au long du roman, car l'auteur parvient à combiner une histoire d'amour avec une enquête sur un crime. On est incité à découvrir qui ment et pourquoi, qui ressent quoi et pour qui, la raison qui pousse les personnages à comploter, et finalement, qui a commis le meurtre de la chambre 622. Le lecteur ne doit pas s'attendre à une réponse trop précoce. L'histoire ne s'éclaire pas avant les dernières pages du roman, ce qui garantit une expérience de lecture enivrante.